Les lions. Les lions. Oh, ça marche ou pas là? Ouais. Les lions, bienvenue sur Five Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification, les lions. Lydia Napoli, merci pour les 25 E, ça me fait extrêmement plaisir, Lydia. Merci à Samira Swiki. Swiki, pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Laurence Molines pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir, Laurence, moi aussi, je t'aime. Merci Thibaut Lasserre pour le 200 euros, merci Thibaut Lasserre. Et merci à Lydia Napoli pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui font des donations, ceux qui soutiennent la chaîne, ceux qui font tourner. Et voilà, merci à vous. Merci à vous. J'apprécie beaucoup. Et merci aussi à toi, Thierry. Je te fais des gros bisous. Thierry Dititi, je te fais des gros bisous. Je sais que je te vois très actif sur Instagram à partager 5 stars et tout ça. Merci, Thierry. Merci, Thierry. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci Gilles pour ton jeu, je l'ai bien reçu. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, à tous mes Lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Leo, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friend Leo. To my Leos. Alright. Les cartes sont neuves, donc il faut que j'apprenne à jouer avec, à les battre, à m'imprégner de leur énergie. Mais Gilles, vraiment merci. Bon, Gilles qui est James, hein, bien entendu, donc. Et merci quand même, je te remercierai sur toutes les vidéos, Gilles. Parce qu'avec tout ce que je leur mets dans la gueule, les Gémeaux, ils m'offrent encore des jeux, quoi. Ouais. Donc, dans mes recherches, j'ai vu que le bélier était le chakra racine de la divine féminine, que le taureau était la moon du divin masculin, que le gémeau était le soleil du divin masculin, que le cancer était le soleil de la divine féminine, et vous êtes la Vénus de la divine féminine, c'est-à-dire le cœur de la divine féminine, mes amis les lions, dans mes travaux du moment. Et après, il y a peut-être quelques petites choses que j'ai à réajuster. Demain, je vais faire les vierges, qui sont pour moi l'ascendant du divin masculin aussi. Et ensuite, il y aura les balances qui sera potentiellement l'ascendant de la féminine. Donc voilà. Après, il y a des énergies qui sont compliquées, comme le scorpion. Je pense que c'est l'énergie sexuelle en fait qui les attracte ensemble. Et on a le capricorne aussi qui m'a l'air d'être le chakra racine du divin masculin. On a le signe des poissons qui a l'air d'être le Vénus du divin masculin. C'est pour ça que vous êtes liés aussi avec les poissons dans ce cycle. Mes amis, les lions étant la Vénus de la divine féminine de ce cycle qui dure depuis une bonne année déjà. Vous avez le Nine of Cups in Reverse, ça vient me dire que vous êtes en dépendance émotionnelle par rapport à quelqu'un, et c'est votre énergie du moment, mes amis les lions. Vous avez le Three of Cups derrière, ça vient me dire que vous avez envie, vous êtes dans des triangulaires, dans un choix que vous avez à faire, entre quoi et quoi, je ne sais pas, en tout cas, vous allez certainement choisir le choix, je l'espère pour vous, qui allège le cœur. C'est aussi la carte du Celebrate, Go-Go Time, come on, exactement. Vous avez le Six of Swords in Reverse qui vient me dire, l'énergie des Sagittaires, que potentiellement c'est une énergie qui vient vous révéler en vous, très profondément à l'intérieur de vous, tout ce que vous ne voulez pas entendre en ce moment. Ça vient me dire que vous auriez aussi peur de tout quitter pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous conviendrait beaucoup plus au niveau du cœur, mais l'esprit est là et vous en empêche. Vous avez le Four of Pentacles qui vient me dire que vous avez érigé une barrière
ici pour vous protéger. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous vous êtes enfermé dans une prison de l'esprit. Vous avez Excalibur qui va vous servir à trancher. C'est littéralement se séparer des choses dont on ne veut plus. La racine latine de décider, c'est trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Vous êtes dans un sceau magique. Vous avez aussi les yeux bandés. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez choisir. Vous êtes aussi un peu bling bling les lions. Il y a de l'or qui vous appelle. Il y a quelque chose là. Vous êtes en train de faire une... Mais en tout cas, vous vous protégez de quelque chose, d'un jeu d'échecs, d'un game en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voudriez, enfin, vous voudriez peut-être à l'intérieur de votre cœur quitter, mais vous n'allez pas le faire parce que vous avez le Three of Wands. Donc, manque peut-être d'initiative ici. Ensuite, vous avez le Five of Cups in Reverse qui vient me dire que vous avez du mal à sortir des regrets, et vous avez l'énergie avec le Capricorne ici du masculin qui vient me dire que vous êtes extrêmement entêté et que vous avez aussi du mal à prendre votre décision. Vous avez le Nine of Cups ici et vous... Encore une fois, du mal à prendre des décisions par rapport à ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment, vous irez en direction de votre cœur, de là vers celui-ci, enfin, où est-ce qu'il veut vous mener. En tout cas, Three of Cups, c'est une énergie d'eau, potentiellement un cancer que vous avez dans l'esprit, dans le cœur, qui se trouve, bon, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Encore une fois, vous êtes le cœur de la divine féminine, le soleil de la divine féminine, qui est du signe du cancer, je vous le rappelle. Le challenge, c'est le Three of Swords, donc c'est de sortir en fait de cette peine de cœur, c'est de finir de cette épuration, c'est de sortir de cette cage où vous êtes confortablement installé. Mes amis les lions, même si ça ne vous plaît pas beaucoup. Ensuite, vous avez The World, donc un nouveau cycle. On vous pousse à passer un nouveau cycle, à passer à quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que The World, plus rien ne sera comme avant. On ne peut pas revenir en arrière, c'est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles, mes amis. Les lions, l'énergie que vous êtes en train de quitter, c'est le Nine of Cups. C'est le fait d'avoir des sentiments, mais de ne pas dévoiler ces sentiments. C'est le fait aussi d'être un peu plus fou en amour, un peu le fait de se laisser aller, le fait de ne plus reproduire toujours les mêmes schémas, le fait d'être encore une fois dans le boring énergie et de rentrer dans le celebrate good good time, come on, put your motherfucking hands up. Donc c'est exactement ça. Et ensuite, l'énergie qui porte votre jeu, c'est... J'ai l'impression qu'en ce moment, vous fuyez la passion, mes amis les lions. C'est-à-dire que vous avez peur, regardez. Lui, il vient vous offrir la passion, mais il est caché dans le noir. Et vous pourriez déchirer sa cape facilement avec vos griffes de lion et vivre. Mais j'ai l'impression que vous êtes protégé par rapport à ça. Vous voulez vraiment quelque chose de... Peut-être de solide, quelque chose de concret. J'ai l'impression que vous avez peur. Peut-être qu'on vous roule dans la farine, mais c'est parce que vous vous sentez... J'ai l'impression que vous vous sentez décidé à aller quelque part, mais que vous savez que... Mais encore une fois, il y a une histoire de réalisation, il y a une histoire de famille, il y a une histoire de valeur, il y a quelque chose de... qui vient me dire que, encore une fois, l'impératrice, c'est celle qui décide d'avancer, c'est celle qui décide de se réaliser. Donc, encore une fois, vous avez envie d'avancer vers votre réalisation, mais la bridging énergie qui vous emmène vers la réalisation, c'est le 3 d'épée qui est une énergie d'air. Donc ça vient me dire que, encore une fois, donc vous voulez... C'est marrant, hein, mais c'est comme si, en fait, voilà, vous voudriez aller quelque part, vous savez que c'est pas là-bas que vous allez, devez y aller, mais vous allez le faire quand même. Conseil de l'univers, on a le Ten of Swords in Reverse. Donc, on vous demande d'arrêter de souffrir, tout simplement. Et on vous demande d'arrêter de vous saboter, on vous demande d'arrêter de, d'être dans le mental. Hein. C'est important d'écouter votre cœur. Au niveau de la famille, des vibrations qui sont autour de vous, on a le Nine of Wands in Reverse qui vient me dire que vous êtes en train de vous batailler contre vous-même, qu'en ce moment, on vous demande de sortir de votre défensive. On vous dit que si jamais ça ne vous plaît plus là où vous êtes, eh ben, vous n'avez qu'à partir. Vous n'avez qu'à vivre selon vos propres termes, selon vos propres besoins. Pas le besoin du papa, pas le besoin du maman, pas le besoin de l'éducation, pas le besoin des conditionnements, parce qu'on vous a bourré dans la tête pendant 15 ans. Faire ce que vous voulez faire, ok? C'est très important. Si vous voulez potentiellement... Ça aussi, ça peut me parler de la naissance d'un enfant ici, placé à ce niveau-là, l'impératrice. Bien entendu. Au niveau de Hobbs and Fear et tout ça, High Priestess, vous vous demandez si vous allez pouvoir vous élever au spirituel, si l'ombre, la lumière va se jeter sur l'ombre. Il y a des choses qui sont cachées. Ces trucs que vous ne comprenez pas, tous ces sentiments, ces machins, ces choix que vous avez à faire, est-ce que vous allez pouvoir sortir du noir dans lequel vous vous trouvez en ce moment? Ça dépend de vous. Pour terminer, on a le Nine of Pentacles. On vous demande de faire preuve de sagesse. Et ça aussi, c'est une énergie des taureaux, c'est une énergie de commitment. Et c'est, ça vient vous dire qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, saisissez cette option. Et ça vient me dire que c'est quelque chose de solide. Ça peut être aussi un taureau qui vient vers vous. Ça peut être aussi un mariage. Ça peut être quelque chose de nouveau, Krishnamurti, tes taureaux. La sagesse, c'est la patience. C'est une énergie de patience. Et la patience, c'est aussi la maturité. Donc ça peut vouloir me dire que quelque part, vous allez vous diriger de plus en plus vers la patience, vers la maturité, et potentiellement vous allez avancer vers quelque chose de très concret. Il y a quelque chose de très concret, il a une pépite dans la main lui, donc c'est quelque chose de très concret. Donc ça peut vouloir me dire que la chose que vous attendez, elle arrive aussi pour vous, mes amis les taureaux. Allez, je vais vous faire plaisir, je vais utiliser ce jeu-là, parce que je sais que il y a certaines personnes parmi vous, les lions, qui aimaient ce jeu-là, donc exceptionnellement, je vais le prendre pour vous.
C'est le Mystical Moment Tarot. On va aller voir l'énergie qui vous fait face et qui se trouve en face de vous, mes amis. Mes amis les Lions. Mes amis les Lions. Donc c'est bien, c'est un cœur noble et tout ça. Il y a quelque chose. Encore une fois, le outcome, il est extraordinaire. Et donc ça vient de dire que quelque part, il y a quelque chose de concret, quelque chose de... Quelque chose de solide, là. Quelque chose de solide, quelque chose de concret. Et... Le Mystical Moment vous remercie, il est content que je l'utilise là. Allez, mes guides, source, spirit guides, dites-moi, mettez-moi le jeu en ordre et on va voir quelle est cette énergie qui vous fait face, mes amis les lions. En tout cas, vous, votre challenge, c'est vraiment de comprendre cette épuration. En tout cas, il y a une personne qui m'a l'air d'être busy, qui travaille, qui a vraiment l'intention, dans l'intention de se réaliser ou qui essaie peut-être de pallier son manque d'amour, son manque de couple dans la réalisation, dans les pentacles et tout ça, peut-être parce que cette personne aussi voit le côté pratique des choses, ce qui peut être pas mal. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe de passion et tout ça. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Après, c'est un taureau, c'est un signe de terre, ça peut être sympa. Hein, le feu et la terre, vous allez brûler cette terre en fait et la rendre fertile. Et peut-être qu'il y a des choses très sympas qui vont arriver là. Et encore une fois, on a le Ten of Swords qui vient me dire que cette personne en face, elle est quand même très dans, dans le mental et très dans la souffrance aussi. Elle se pose peut-être beaucoup de questions par rapport à vous. Et on a, on retire encore, et c'est peut-être un cancer, on retire encore le Full of Cups. Vous êtes aussi très lié avec les cancers dans ce... Et on a aussi le Knight of Pentacles. Donc, ça peut vouloir me dire que, voilà, ça n'avance pas vraiment, que les énergies sont à l'arrêt, mais des quatre cavaliers, le Knight of Pentacles, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée, bien entendu. Allez, c'est bon, j'arrête de déblatérer, là, les guides, mettez-moi ça en ordre. On a Justice in Reverse qui vient me dire qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de retour. Et que la justice n'a pas encore été faite sur cette histoire. Peut-être que ça va se faire énergétiquement. En tout cas, ce serait vraiment très sympa pour vous. On a quoi qui s'est rencontré? Il y a le Fool in Reverse qui vient me dire qu'il n'y a pas de déplacement non plus de la part de cette énergie. Et il n'y a pas de réciprocité avec le Six of Pentacles in Reverse qui, elle aussi, est une énergie des taureaux. Je lis toutes les cartes en fait qui se retournent. Et ça correspond très bien à l'histoire. Donc les guides, vous êtes là, vous êtes connectés. Donc c'est vraiment génial. La première carte qu'on a, cette énergie, c'est le Seven of Wands. Donc ça vient me dire que cette personne... Ou cette énergie, il y a énormément de cicatrices là, ça peut être aussi le boulot, le machin, prenez ce que vous voulez, les conditionnements. Mais il y a énormément de cicatrices, ce qui ne te tue pas te rend plus fort et ça veut me dire que cette personne est très forte. En tout cas, si vous avez beaucoup d'ego et une personnalité forte, je peux vous dire que la personne en face, elle est tout aussi, voire aussi balèze que vous. Ensuite, on a Justice, donc ça c'est l'équilibre, c'est la réciprocité, c'est encore une fois, c'est aussi la carte du choix pour avoir un peu plus d'équilibre dans sa vie, c'est tout à fait possible aussi mes amis les lions. On a le Six of Cups in Reverse qui vient me dire que cette personne ne veut plus être cristallisée dans, dans le passé. Cette personne, elle a vraiment envie d'avancer, c'est une bonne chose. Elle est en train de quitter aussi, elle est ermite, donc elle est en train de quitter. J'ai l'impression que cette personne était aussi en solitude, potentiellement en tristesse. Et potentiellement, j'ai l'impression que cette personne voulait faire des efforts et tout ça. Est-ce que c'est vous qui auriez coupé la communication? J'en sais rien. The Wheel of Fortune. Donc ça, ça vient me dire qu'il y a quand même un gros changement là, au niveau de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'activer son cœur. Donc c'est peut-être une bonne chose, mes amis les lions. Quelque chose, parce que vous, vous êtes plus de l'énergie de la divine féminine. Hein, ouais, quoi que vous êtes masculin dans la... Non, féminin aussi, vous êtes... Non, vous êtes un signe masculin féminin dans la 5D. Il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur, quelqu'un qui est en train de quitter la solitude, là, quelqu'un qui a appris de la leçon. Et pour terminer, on a le Two of Cups, Mean Weavers. Donc cette personne, elle fait peut-être des réalisations, mais en tout cas, elle ne compte pas s'exprimer en ce qui vous concerne, hein, mes amis. Ensuite, on a le Page of... En tout cas, pour l'instant, Page of Pentacles. Donc ça, ça vient me dire que... On conseille à cette personne de pardonner, d'avancer. Si... Et ensuite, on a le Eight of Cups in Reverse. Donc ça, ça veut me dire que cette personne, elle est en train de sortir de l'illusion. Cette personne voudrait quitter quelque chose, mais elle n'arrive pas à le quitter pour l'instant. Et je pense que ça, vous le savez, c'est peut-être pour ça que vous ne déclarez pas, ou que cette personne ne se déclare pas par rapport à vous, parce qu'elle a des contraintes, elle est retenue quelque part, où il y a quelque chose là. Five of Swords, Hopes and Fear. Donc ça, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle souffre en secret, elle souffre en silence, mais qu'elle ne vous parle pas de ça. Et pour terminer, on a The Moon in Reverse. Ça vient me dire que si cette personne était retenue par quelque chose, je vois qu'il y a certaines énergies qui retiennent cette personne. Et c'est pour ça que cette personne se sabote et qu'elle est en solitude et qu'elle ne vous dévoile pas son amour, parce qu'elle est encore cristallisée dans le passé, mais elle n'a plus envie d'être cristallisée dans le passé. Ça, c'est clair et net. Et ça, ça veut me dire qu'il y a des énergies sombres qui retiennent cette personne, et ben ça ne va plus durer. Donc c'est en train de me dire que les éclipses sont en train de travailler sur cette personne. Encore une fois, on a une éclipse le 30, on a une autre le 16, ce sont des éclipses qui sont
extrêmement puissante. Pourquoi le Two of Cups il est in reverse? Ben, c'est parce que voilà. Alors moi je vous dis pas de faire un move vers cette personne. Pas tout de suite. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire à ce stade. À moins que vous décidiez de faire un gros move. Parce que si c'était vraiment un gros move, bon ben là peut-être. Mais peut-être que cette personne elle est retenue aussi parce qu'il y a un manque de communication de votre part aussi. J'en sais ça. Enfin, là, j'extrapolerai un peu, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment, mais bon, vous m'avez l'air quand même d'être d'être un peu bloqué dans l'ego quand même, hein, comme d'habitude, hein, les lions. Hein, mais bon, ça, c'est votre truc. Hein. On dit que c'est le cancer quand il est machin, et il rentre dans sa carapace, mais vous, j'ai l'impression que vous êtes très aussi... c'est moi le lion, et tout ça. Et ça, ça va vous porter tort dans la vie, hein, mes amis, les lions. En tout cas... Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Parce que si vous suivez la tête, ça risque... Le challenge que vous devez passer, c'est-à-dire le Three of Swords, risque d'être difficile à passer. Vous avez le pendu, donc ça vient me dire que vous êtes en train de quitter le... De vous laisser aller. Je pense que vous allez prendre les rênes de votre vie dans très peu de temps parce que vous en avez marre d'être dans cette situation inconfortable. C'est vraiment ce que vient me dire le jeu, en tout cas. Ensuite, on a le Judgment in Reverse. Ça vient me dire que... Justement, il y avait une épreuve à passer que vous n'avez jamais pu passer, et ce qui fait que vous n'avez pas pu réaliser vos rêves, et vous vous dites peut-être que je devrais le faire finalement, donc je ne sais pas vraiment. En tout cas, si, j'ai l'impression que, encore une fois, les lions, vous aimez bien être dominé en amour, mais j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, ou l'énergie qui est en face de vous, elle n'a pas envie de ça. Elle a envie que vous preniez aussi vos propres responsabilités et tout ça. Et encore une fois, c'est une personne aussi qui, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. La personne qui est en face de vous, à mon avis... Elle est tout aussi balèze que vous, question force, mes amis, les lions. Elle a peut-être des placements en lion aussi, c'est peut-être un autre lion, ça m'est arrivé de le dire plusieurs fois. Vous avez de force in reverse, donc ça vient de me dire que ça, c'est pour vous. Donc, encore une fois, vous allez peut-être apprendre la leçon de mettre un peu votre ego de côté et d'arrêter d'être docilement, vous laisser dorloter à droite à gauche et vous allez prendre un peu les initiatives. Vous avez l'impératrice in reverse qui vient de me dire que dans ces conditions, en tout cas, la naissance d'un nouveau monde ou la réalisation, ou le fait d'être heureux dans une réalisation, le terreau n'est pas très fertile. Et vous avez de Wheel of Fortune Universe, donc ça vient de me dire que voilà, ça ne changera pas. Si jamais vous vous laissez aller dans le... Parce que c'est contre vous, en fait, le fait de vous laisser aller comme ça, d'accord? Et ce qui est pour vous, en fait, c'est d'arrêter de juger, en fait, c'est d'arrêter, encore une fois, de se fermer les oreilles au coup de trompette qui n'arrête pas de retentir, qui vient du cœur, mes amis, les lions. L'énergie qui surplombe votre jeu, c'est ça, in reverse, donc c'est l'ego in reverse. Et c'est un conseil aussi, hein, en vous disant que, bon voilà, ça c'est le résultat, c'est-à-dire l'impératrice in reverse. Donc voilà, et ensuite, on a la Wheel of Fortune in reverse. Comme encore une fois, il y a, ça veut me dire qu'il y a une grosse potentialité, mais la potentialité reste à l'état de mais. Vous avez le 12 plus le 20 plus 8. Plus 3, bim, ça fait 43. Donc ça fait 7, donc ça fait le chariot, les cancers, encore une fois. Le chariot, c'est la victoire, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est le billet d'avion, c'est l'autre bout du monde, c'est un endroit où vous devez aller, partir, faire quelque chose, avancer, vous mettre en mouvement. Et l'énergie qui est derrière vous, soit elle vous rattrape. Alors laissez la porte ouverte, un potentiel retour du passé, mais ne restez pas cristallisé dans le passé. La personne qui est derrière vous réalisera en temps et en heure ou pas du tout, mais à ce stade, j'ai l'impression que c'est plus votre problème, mes amis les lions. Allez là où votre réalisation veut vous mener, mes amis les lions. Et je pense qu'il y a encore des belles opportunités qui sont possibles pour vous. Hein. Encore une fois, grande leçon, vous avez voulu manifester quelque chose, vous pensez que ça n'était plus possible, l'univers vous dit, bah, tu sais quoi, vous savez quoi? Voilà, maintenant ce que je te propose, c'est concrètement ce que tu as demandé, voilà, c'est pour toi, c'est devant les yeux, boum. Alors, maintenant tu fais quoi? Tu prends ou tu prends pas? Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux pas, tant pis, exactement mes amis les lions. Donc, j'ai l'air un peu détaché par rapport à votre reading là, mais ne croyez pas ça mes amis les lions. Hein. Écoutez-le plusieurs fois et vous allez voir que je vous comprends tout à fait, je sais dans la situation dans laquelle vous êtes. Et je vois aussi comment est-ce que vous pourriez vous en sortir. Ne soyez pas votre propre ennemi, mes amis les lions, dans un désert avec un aigle qui décide de se libérer. Je ne vous souhaite rien, absolument rien, vous êtes déjà parfait. De toute façon, l'une ou l'autre, l'un ou l'autre de votre choix vous mènera vers ce que vous êtes déjà, c'est-à-dire la perfection, mes amis les lions. La nature de la vie, c'est d'apprendre ni plus ni moins. Voilà. Bon, ben voilà.
reading énergétique un peu. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne. N'allez pas vous réfugier dans le coin d'une pièce pour méditer 10 minutes et revenir faire le boucher au sens figuré comme au sens propre. La méditation est l'une des choses les plus sérieuses. Vous pouvez méditer toute la journée, au bureau, en famille, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », quand vous regardez vos enfants. Mais ensuite, vous les préparez à être des soldats, à tuer, à être nationalisés, à adorer le drapeau. Vous les éduquez pour entrer dans ce piège du monde moderne. Constater cela, se rendre compte du rôle qu'on y joue fait partie de la méditation. Quand vous méditez de la sorte, vous y trouverez une extraordinaire beauté. Vous agirez justement à chaque instant. Et si vous n'agissez pas justement à chaque moment donné, cela ne fait rien. Vous ferez mieux par la suite. Vous ne perdrez pas votre temps à regretter. La méditation fait partie de la vie. Elle n'est pas différente de la vie. Il y a un grand secret qui était caché derrière tout ça, mes amis les lions, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lourd poids, mais qui n'est pas si lourd que ça, qui pèse sur vos épaules, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans votre tête. J'écoute le chant de l'oiseau, non pour sa voix, mais pour le silence qui suit. Noguchi Yorubinjo. Vous êtes déjà parfaits, les lions.